j'ai vraiment adoré, c'était vraiment cool. Franchement, j'ai passé un agréable moment. J'ai trouvé ça très épatant en fait de connaître l'histoire d'un prisonnier en fait, parce que je me suis toujours posé la question de savoir comment c'était en prison. Le but est là de montrer à l'ensemble de la population un autre regard sur la prison, ouais. Là où les caméras ne vont pas. Le personnage nous touche et c'est très drôle, c'est très drôle, c'est bien écrit. Vraiment, il peut être fier de ce qu'il a fait. Moi, je me dis que les messages, les meilleurs messages passent avec humour. J'ai écrit un spectacle où les gens rigolent et viennent et passent, je pense, une heure de joie et tout. Sans revenir fou, c'était un spectacle très intéressant, c'est un sujet très original. Et j'ai passé un très bon moment. Dans toute situation, il y a toujours du bon à en tirer et la preuve en est ce soir. Moi, j'ai fait 2 ans. Pareil pour les mêmes conneries que lui. Et on est plein comme ça, sauf lui, il a les couilles, il les a posées, quoi. Il n'a pas attendu que ça pousse. Et il joue et il se met en danger devant les gens, il est là devant le feu de la rampe et il fait ses trucs. Et ça, c'est bon. Il y a eu tout un travail de force. Je suis quelqu'un qui a un fort caractère, j'ai cette force et grâce à Dieu. Je conseille vraiment aux gens de venir voir cette pièce, franchement, c'est top.